Bonjour à toutes et à tous, c'est Gecko. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle série consacrée à World of Warcraft. Ça s'intitulera Le Petit Guide de la Transmogrification. Et nous commencerons directement avec le T2. Et pourquoi pas le T1? Eh bien, parce que le T1 est moche et le T2 est joli. C'est complètement subjectif, mais on s'en fout. Alors, on va commencer directement avec les différents accès qui nous mèneront au repaire de l'aile noire et au cœur de magma qui se trouve dans l'Estelle Ardente. Alors, il y a le portail pour les hautes terres du crépuscule qui pourra nous mener directement jusque-là de manière très rapide ou sinon de manière un peu plus longue mais beaucoup plus commune parce que tout le monde n'a pas le portail pour les hautes terres du crépuscule. Vous prenez le zeppelin en direction de la vallée de Stranglerons. Ici, on voit sur la map, bien, je vous montre directement que l'accès par les hautes terres du crépuscule est beaucoup plus court que par la vallée de Stranglerons. Eh bien, il faudra faire les quêtes et les copains. Si jamais vous n'avez pas le portail, eh bien faites les quêtes hein, pour y avoir accès. Vous allez voir, ça vous facilitera la vie. Ici, nous sommes partis donc en direction de la vallée de Stranglerons, vallée qui a abrité par le passé bien des combats entre l'Alliance et la Horde, des combats qui duraient jusqu'au petit matin. Pour ceux qui ont connu, eh bien c'était vachement stylé, mais ça n'a strictement rien à voir avec le contenu de cette vidéo. Donc nous arrivons au campement, non, l'avant-poste, que dis-je, de Gromgol, et nous partons directement en direction du nord pour les steppes ardentes. Avec une petite transition dans 3, 2, 1. Ah putain, pile au bon moment, c'est pas cool ça? Alors, nous arrivons directement en vue du Mont Roche Noir. Avec une petite accélération, nous allons directement arriver à l'intérieur. Et nous allons voir sur notre map que le repère de l'aile noire se trouve en bas à droite de celle-ci. Pour y accéder, il faudra cliquer sur l'orbe qui se trouve au bout de ce petit couloir. Vous cliquez sur l'orbe, vous cliquez sur placer la main sur l'orbe et vous êtes placé directement à l'intérieur. Il n'y a plus besoin d'accès du tout. Sachez que le premier boss est beaucoup plus facile à deux que tout seul. Pourquoi? Eh bien simplement parce que il faut contrôler le boss et celui-ci doit être défendu pendant qu'il détruit les œufs. Donc un contrôle le boss et l'autre défonce tous les mobs qui pop pendant tout le combat jusqu'à ce que la salle soit clean. Une fois que la salle est clean, vous tuez tout le monde. Et bien voilà, donc dans cette première instance, vous pourrez récupérer 7 des 8 loots. Le premier, tranche triple indomptée, vous offrira les poignées. Va et la strasse le corrompu. Putain, j'ai bugué parce que j'arrive jamais en général. La strasse le corrompu, la ceinture, le seigneur des couvées Lannister, les bottes, cœur de feu, flamigor, rocheben, les mains, chromagus, les épaules, nefarion, la tête et le torse. Je sais que la tête peut être aussi récupérée sur Onyxia, qui est une instance level 80. 80, qui se trouve dans les marges des chagrins, juste ici. Une fois cela récupéré, il vous manquera les jambes. Les jambes qui se trouvent sur notre ami Ragnaros au cœur de magma. Cœur de magma qui, une fois que vous soyez sorti de repère de l'île noire, vous prenez en bas à droite jusqu'à une petite ouverture où là, il y a notre ami Lotos. Lotos, eh bien ça, ouvre faille, qui, une fois que vous avez cliqué dessus, vous téléportera directement à l'intérieur. Le cœur de magma est une instance très facile, hein, très 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 facile, parce que level 60, tous les boss sont faisables, mais faites-les dans l'ordre. Hein. Donc il faudra faire les 8 premiers avant de faire le 9, puis le 10e, sinon notre ami Ragnaros ne popera pas. Et là, vous arrivez sur Ragnaros, vous le poutrez, et vous pouvez récupérer vos jambes T2 avec énormément de chance, et peut-être l'objet légendaire qui vous permettra d'avoir sa masse, la main de Sulfuras, hein, qui est beaucoup trop stylée. Et bien en tout cas merci à tous, et si vous voulez rester pour avoir un aperçu in-game de tous les sets, ce sera dans quelques secondes. Alors voilà, on arrive sur le set du chaman, les 10 tempêtes, qui est un set que j'affectionne tout particulièrement avec ses épaules beaucoup trop stylées, beaucoup trop larges, beaucoup trop classe. Vous avez une carrure de dingue avec ça. Vous êtes beaucoup trop fort, enfin, franchement je l'aime énormément. On arrive sur le site du druide, la grande tenue de Hurlerage, qui je trouve ne fonctionne bien que sur les elfes de la nuit, hein, parce que sur les taurennes, sur les trolls, c'est absolument infâme. Sur les elfes de la nuit, ça vous donne un aspect vraiment druidique très 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 classe, je trouve. Donc le démoniste avec la grande tenue de Némésis, qui est... Pff, que dire sur ce set. Trop stylé, je suis en train de le farmer en ce moment avec mon propre démoniste, et j'ai vraiment hâte de l'avoir. On arrive sur l'armure de Hunter, l'armure de Tracker le Dragon, chasseur bien sûr en français hein, les amis, qui est rose, rose et bleu, avec des têtes de dragon. Elle est esthétiquement très belle, mais moi j'aime pas, ben, parce que voilà, porter du rose, hein, merci quoi. Je sais que je joue paladin en même temps, mais c'est pas grave, c'est strictement aucun rapport. Mage, avec la tenue de parade de vent de néant, personnellement je la trouve pas très jolie, mais on sent qu'ils ont voulu faire
transpirer ce côté arcanique du mage, avec toute cette magie beaucoup trop classe. Et là, nous avons bien sûr sur une des armures les plus belles du jeu, celle du paladin, avec l'armure du jugement qui est beaucoup trop classe, beaucoup trop stylée, avec. Oh là là, promenez avec ça, quoi, vous êtes le roi, enfin, je trouve. On arrive sur le prêtre avec l'habit de transcendance. Ça m'inspire de la sympathie, cette prêtre, de la sympathie, de la gentillesse, de la bonté du prêtre, quoi, en plein dedans. Hein. Oh, alors là, le 7 guerrier avec ses lames qui ressortent de son casque et de ses épaules, qui est vraiment très très classe, hein, cette tenue de combattant de courroux, qui est un must-have pour nos amis guerriers, je trouve. On terminera par l'armure de Croc de Sang, l'armure du voleur, qui est à mon goût un des plus beaux sets voleurs du jeu. Voilà, enfin je pense, hein. Vous êtes d'accord avec moi, après sur un gobelin, bon, on est moins l'impa. En tout cas, je vous remercie pour votre patience et pour votre temps, en espérant que ça vous ait plu. Je vous dis à très très bientôt les amis. Ciao ciao!